savez le mur là, d'escalade là? Ouais. 15 mètres. Ça, je l'ai fait. T'as vu ma tête là? Mais il y avait les paparazzi et tout. Tu crois que t'es Spider-Man? Les caméras et tout. Je croyais pas. T'es Spider-Man. Quand je vais passer dans le journal tout à l'heure. La blague. Tu me crois pas? On parie? Hey, t'as le vertige, va trop d'un étage, tu veux monter l'escalade là, ou je sais pas comment t'appelles ça. Les murs d'escalade. Ouais. C'était trop bien. Non, mais tu crois que t'es Spider-Man là? Ouais. Bref. T'as une tête bizarre aujourd'hui, t'es arrivé quoi? Ah, c'est normal. Hein. J'ai vu un truc trop bizarre. Raconte. Ça m'a fait peur, mais. Ah, bah, mentir, Oh là là, ça sent bien. Bah, pourquoi vous me croyez pas? Parce que j'ai pas envie de te croire. T'as l'habitude de mentir. Non, bon, vous savez quoi? Moi, j'ai une idée. Si vous voulez, on se lève, on va aller voir Marie et vous allez voir ce qu'elle a fait. On va la voir, mais on va marcher beaucoup pour rien. Mais non, mais parce que là, je mens pas. En plus, c'est qui Marie? C'est la dame qui habite dans mon bâtiment, là. Je la connais même pas. Bon, ça fait longtemps. Moi, comme je l'ai pas vue, j'ai envie de voir, je vais aller. Voilà. J'espère que tu m'en parles. Je vous l'avais dit. Eh mais là c'est pire ce qu'on croyait là. C'est pire hein. Vous ne croyez pas. Parce que c'est pas le genre de dharma qui pourrait faire ça. Faut se méfier des apparences. Des apparences. Bah oui. Et regardez, vous vous rendez pas compte ce qu'elle a fait là? Mais elle a fait ça avec quoi? Moi tout à l'heure je l'ai fait avec une bombe. Une bombe? Mais elle a pas fait ça avec une bombe, il y a du feutre. Non, il y a du feutre. Donc là tu me crois là? Mais je crois que c'est bon, on va sonner chez elle. Ah, mais elle va trouver des excuses encore. C'est peut-être toi qui cherches des excuses. Bah, tu sais quoi, viens, on va sonner. On verra bien qui. Moi, je sais que je m'en porte en tout cas. On verra pas. Pas cette fois en tout cas. Non. Regardez, partout. Bah, là, tu sais. Même ça. Même sur sa portée. Sa poignée. Regarde sa poignée. Je crois qu'elle entend pas ce mot, mon frère. Merci. Elle arrive là, je crois. Regardez, vous allez voir. Moi, je dis c'est elle. Bonjour. 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 Oui, qu'est-ce que je peux? Madame. C'est vous qui avez fait ça? Tous les tags qui sont... Moi? Dans votre porte. Comment? Moi? Moi qui ai fait tous ces tags? Mais oui. Vous avez de la peinture dans les cheveux? Ah, oui. Alors, écoutez, je vais tout vous expliquer. Si vous voulez, maintenant, chez le gardien. Non, non. C'est comme vous voulez. Parce que on veut d'abord savoir, donc... Alors, je vais tout vous expliquer. Mais on sait déjà tout ce qui s'est passé. Comment? Parce que moi, Vous étiez là? Bah, moi, je suis passée, je vous ai vu avec une bombe, madame. Oui, bon, bien sûr, je les ai ramassées par terre. Il n'y en avait pas qu'une, il y en avait deux, non, non. Trois. Je vous ai vu avec une bombe en train de taguer, je vous ai regardé, mais vous êtes en train de... J'étais en train de taguer? Avec une bombe? C'était sûr que j'avais pas autre chose dans les mains? Un chiffon, par exemple? Bon, eh bien, voilà toute l'histoire. Ah, ok. Moi, j'ai essayé d'effacer, mais voyez l'état. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne peut pas laisser ça dans cet état. Non, on pourra appeler le gardien. Ah, ça, oui. De toute façon, j'aurais dû y penser tout de suite. J'aurais dû essayer de nettoyer moi-même. Bah, moi, je propose qu'on va l'appeler.
D'accord. On y va? Je suis d'accord avec vous. D'accord. Bon, j'y vais comme ça, alors. C'est pas grave, comme ça. Comment on va faire? Bah, tout seul, je vais pas m'en sortir. C'est sûr. Puis ça va encore coûter des sous, je vais être obligé de mandater une entreprise. Ah non, non, ça coûte très cher, ça. Ah moi, bah, très cher. Moi, je vous propose quelque chose. Pourquoi on ne demanderait pas aux gens du bâtiment et ils nous aideraient à nettoyer? Ah, moi, je veux bien, mais trouvez-moi des volontaires. Hein. On va leur assurer. Moi, je fournis les produits, le matériel et vous trouvez les volontaires. Il n'y a pas de problème. Bon, on fait comme ça. Bah, d'accord. Allez-y, cherchez les volontaires et je reviens, je vais chercher les produits. D'accord, à tout à l'heure. Voilà, si ça continue, on est obligé d'y aller avec les produits.